Pour installer Maxway, suivez les étapes décrites ci-dessous. Détachez les deux sangles d'attache du siège. Fixez l'extrémité des sangles au point d'ancrage prévu à cet effet dans la voiture. Certaines voitures ne disposent pas de crochets spéciaux de ce type. Veuillez, s'il vous plaît, en ce cas, vous référer à la notice d'utilisation pour obtenir plus de détails sur les méthodes similaires proposées de fixation des sangles. Vérifiez l'inclinaison du siège. Plus l'enfant est petit, plus le siège doit être incliné. Pour changer la position, faites glisser la jambe d'appui jusqu'à ce qu'elle s'engage dans la position désirée. Pour faire glisser le pied de support, poussez les deux boutons de réglage et de tirer vers le haut la jambe de force. Placez le siège en position dos à la route. Ajustez en abaissant la jambe pour qu'elle soit environ à 3 cm du sol et assurez-vous que les sangles ne sont pas enroulées sur elles-mêmes et que les crochets d'ancrage sont bien dirigés vers l'avant. Fixez les crochets sur les deux supports métalliques à l'arrière du siège et tirez sur les sangles d'attache pour serrer provisoirement. Ouvrez les deux bras de verrouillage, soulevez la housse et faites glisser la ceinture de sécurité dans les passants et les fentes, derrière la sangle d'ajustement d'entrejambe et dans la fente de l'autre côté du siège. Ouvrez les deux bras de verrouillage et faites passer la ceinture de sécurité à travers les passants et les fentes, sous la housse et à travers la fente de l'autre côté du siège. Faites passer la ceinture de sécurité dans les passants et fixez-la dans la boucle. Faites passer la ceinture de sécurité dans les passants et fixez-la dans la boucle. Tendez fermement la ceinture en vous assurant que la ceinture n'est pas vrillée et qu'il n'y ait pas de jeu. Lorsque la ceinture est optimalement tendue, fermez les deux bras de verrouillage de chaque côté de la coque. Maintenant, vérifiez la position de la boucle de la ceinture en vous assurant que c'est la ceinture de sécurité et non pas la boucle de la ceinture qui maintient le siège en place. Si la ceinture de sécurité ne peut pas être correctement tendue, essayez de monter le siège à une autre place assise du véhicule. Serrez les sangles d'attache jusqu'à ce que la jambe de force touche le sol. La jambe de support doit reposer sur un plancher solide et le siège ne doit pas être en appui sur le siège avant. Enfin, vérifiez que l'installation est solide et sûre. Lors de l'utilisation, placez les bras de votre enfant sous les bretelles en vous assurant que celles-ci sont correctement positionnées sur ses épaules. Rassemblez les deux languettes du fermoir de harnais de façon à ce qu'elles s'imbriquent et fixez-les dans la boucle jusqu'à ce que vous entendiez le clic de fermeture. Ajustez les bretelles en vous assurant qu'elles ne sont pas vrillées et serrez le harnais avec la sangle d'ajustement. Vérifiez que le harnais est assez serré pour que vous puissiez encore y glisser deux doigts. Cela assurera à votre enfant une sécurité et un confort maximal.